Yes, salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce 20e et dernier épisode de la saison 3 du Routard American Truck Simulator. Et on s'était laissé sur la première partie de ce trajet. Il nous reste encore un bon nombre de 256 miles apparemment. Ok. À parcourir. Donc on va y aller tout de suite. Nous on est comme ça. Voilà. Donc je vais arriver vers 17h30. Ah ça va faire chier parce que si j'arrive bientôt... Après un quart d'heure, on sait très bien que des fois Trucky nous dit un quart d'heure et on fait tout un épisode avec. Hein. On n'est pas encore arrivé sur les feux rouges. Hein. Mais après ça va, on a de la marge hein, pour la livraison. Oui, on a de la marge. Même pour la coupure. Enfin, j'espère. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, ouais, 20e épisode de cette saison. Hein. On a fait l'Arkansas et Oklahoma. Ah, comme ça, vu que des fois, on arrive à faire tout en une demi-saison, plutôt que faire une demi-saison et attendre la sortie du prochain DLC pour faire la deuxième partie de saison. On n'est pas les chaînes de télé, nous, on n'est pas Netflix. Nous, quand on propose une saison, elle doit être dans l'intégralité, sauf quand il y a j'ai eu des trucs où j'ai dû stopper les vidéos pendant un moment. Mais où quand j'ai dû mettre entre parenthèses une saison d'Euro Truck parce que justement il y avait trop de contenu sur la chaîne à un moment donné et on sortait pas les vidéos tous les jours il y avait quoi 2-3 let's play, 2-3 séries on sortait plus. Je suis à peu près ma vitesse, là je la régule. Donc ouais, franchement, on va dire que les paysages du DLC sont vraiment sympas, de l'Arkansas. Là je comprends pas pourquoi on a ralenti autant. D'accord, c'est parce qu'il y a des voitures qui tournent. Il fallait qu'ils calent un truc comme ça au lieu de faire des voies séparées pour pouvoir sortir tranquillement, mais non. Regardez l'autre qui fout la pression en disant je vais avancer, tu vas voir toi. Là on est sur la route 75 apparemment. On peut rouler à 65. Merci de le rappeler. Voilà le rappeler aux voitures devant hein, parce que vu que je suis à 49, 50 et que je suis en train de la coller. Ça va, il commence à faire jour. Donc ouais, franchement, c'est toujours un plaisir de revenir sur ce genre de jeu-là, parce que la conduite, c'est vraiment sympa, c'est chill, même si des fois, il y a l'IA qui fait nimp, où il y a des trucs, je pense que c'est la première fois où j'ai autant pété un câble sur un truc de Euro Truck ou d'American Truck. Le truc, le convoi exceptionnel là. Franchement, il était exigu et en first try, tu peux pas le faire. C'est ceux qui disent moi je peux le faire en first try, c'est des mythos. Quoi. Ils connaissent déjà le lieu. Parce qu'il fallait savoir que le truc était vraiment positionné comme ça. Donc ça c'est tu l'as qu'avec la connaissance du terrain.
On arrive dans une ville, c'est ça? Oh, ça va, monsieur! Apparemment, on arrive de l'autoroute, de moi. J'ai plus l'impression. Donc ouais, franchement, vraiment sympa de se balader sur le jeu. C'est vraiment les jeux où t'es chill, tu vois. T'as aucune pression ou quoi que ce soit. C'est détente, tout tranquille. Bah, tout ce qui est jeu de simulation, généralement, c'est sympa, quoi. Sauf les simulations ratées. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je parle de jeux de simulation comme ça. Hein. Genre, ça, Euro Truck... Ou même le supermarket là que j'ai joué, tout ça. Le jeu avec le magasin de cartes et tout ça que je fais en live. En plus ça, j'essaie de reprendre un rythme de live un peu plus régulier. Je suis même pas encore dans mes horaires de live. Comme je l'étais à une époque, donc à une époque, c'était 9h du matin, on était en live. Hein. Là, j'arrive plus à être à 9h du matin en live. Il faut que j'arrive à me remettre. Hein. Mais ouais, donc là, le DLC était sympa. Ils ont fait comme d'habitude un bon taf et tout ça. Là, les ajouts des mages et tout, c'est cool. Surtout que cette saison, j'allais dire cette année, mais ouais, si tu veux. Mais ouais, cette saison, on a roulé beaucoup, je pense, plus de la moitié des épisodes. Au moins la moitié des épisodes, on a roulé à la manette. Chose qu'on n'avait jamais fait auparavant dans la série. Ni dans aucune des séries Euro Truck. Mais bon. C'était une bonne expérience. Franchement, ça peut me libérer sur certains aspects. J'aime bien rouler au volant, c'est le problème aussi. Mais des fois, t'as la flemme de tout mettre en place. Là, au niveau éclairage, c'est pas fou. En plus, je me tape les éclairages du fond vert. Oui, cette année, on est sur un éclairage fond vert dédié. Alors qu'avant, on avait juste les éclairages devant qui font. Mais à force, ça tapait trop fort la lumière. Ouais. Et le problème, t'es bien gentil, mais bon, quand t'as la lumière qui tape aussi fort, c'est chiant, quoi. On est à Topeka. Est-ce qu'on sera rentré enfin dans le Kansas? Ouais, Topeka, je crois que c'est le Kansas, en vrai. Ah oui, ça, c'est parce que je l'ai frôlé peut-être un peu trop. Attendez, Topeka, on est bien d'accord que c'est pas ça, Topeka. Navigation carte, on est ici, Topeka. Bah oui, on est dans le Kansas, on n'a pas fait Pittsburgh, malheureusement. En fait, Ah, c'est peut-être le moment où on n'a pas pu sortir, je crois. Mais ouais, ça aurait pu être plus simple de passer par là. Ça, on l'a pas pu le croiser. On aurait pu avoir Topeka en plus. En passant comme ça, on avait Pittsburgh, peut-être Kansas City, mais un peu limite, on va dire. Et après, tu reprenais Topeka Junction.
Mais attends, ça veut dire qu'on a quasiment fini le... Ah là là. Si j'avais su... Bah je suis à gauche, hein, madame. Voilà. Je sais que la petite musique coule là. Ouais, je sais pas ce que vous avez pensé de la série. Parce que là, est-ce que je vais devoir... Est-ce que je pense faire évoluer la série, mais... On peut peut-être garder deux formats de séries différents, mais bon. Tenez la gauche. Tranquillement. Tenez la gauche. Mais laquelle hein, à chaque fois tu me dis tenez la gauche, mais je suis déjà sur la gauche, non? Non, pas encore. Tenez la gauche, dis plutôt prenez la voie de gauche, sérieux. Ou décalez-vous sur la voie de gauche, je sais pas moi. Bien beau de nous dire ça, mais en vrai c'est pas explicite. Mais qui sont à 40 en fait? Là je vois 40 et 70. Mais qui est à 40 et qui est à 70? Parce que moi on me dit 70 sur le GPS, donc moi je roule à 70. Mais ça se trouve c'est peut-être les camions. Encore? Il est où ce truc? D'accord, il est enfin, il est un peu plus loin. Tiens, la police. Non, on n'ira pas plus vite que vous. Ah, ça, il n'y a personne pour une fois. Arrêtez le camion. Ouais, si tu veux. Hein. Mais bon, on peut se casser. En plus, là, la mission va nous répéter quoi, 39 000? Sinon, on a perdu un peu de pognon. On avait remboursé un prêt, en vrai. Ah oui, mais c'est vrai que là, je me suis bouffé des dépassements de vitesse violents. Donc, ça aide pas. On peut s'insérer là, parce que l'autre, il est sur la voie d'à côté. Voilà. En tout cas, la saison, elle a eu beaucoup de trucs. On a eu un changement de camion. Fin de saison, on s'y attendait pas. Le test d'un nouveau périphérique sur le jeu, la manette. Franchement, c'est plutôt pas mal. On est sur le format 30 minutes pour cette saison 3 que j'avais appliqué sur le Cities Skylines 2. Avant on était sur des 25 minutes et encore avant on était sur des 20 minutes pour ceux qui découvrent. Et des fois en 20 minutes t'as le temps de pas faire grand chose en vrai. Et le format, ce format 20 minutes venait d'une époque où je joue, bah c'était la série Minecraft. Série Minecraft qui était à peu près dans une vingtaine de minutes parce que c'était j'avais pas de possibilité d'avoir un timer pour tout parce que je recordais à l'époque avec comment ça s'appelle avec Fraps, ça date hein, une dizaine d'années hein. Et donc oui c'était un format 20 minutes qui a tenu pendant un bon moment et quand tu regardes parce que c'était le cycle journée de Minecraft à peu près. Tenez la droite, puis tournez à droite. Voilà. C'est le truc tournez que... à droite. Le truc qui me fait avec le volant, c'est que je peux tenir le volant avec une main. Voilà. Le CD de passage, il n'y avait personne. Hein. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ah, la fatigue du perso. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'XP?
Ah, ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tourne à droite, non? Même pas? Ok. On va y aller tranquillement. Il y a un jeu que j'aimerais bien faire au volant, mais je sais pas s'il est, il est vraiment bien au volant. C'est... Je l'ai acheté il y a plus en plus, c'est Taxi Life. Est-ce que j'en ferai une série? Mais je sais pas en vrai, parce que je pense que le jeu il est un peu dédos. J'ai dit dédos comme ça, non, mais dead, un peu dead, je crois. Il avait l'air sympa, hein, tout. Je pense qu'à un moment donné, ils le mettent à jour souvent, donc pour, mais c'est le truc, c'est pour vraiment régler les problèmes à chaque fois. Et en fait, dans le jeu, t'as l'échelle 1-1 de Barcelone, je crois. Ce qui est intéressant, parce que, voilà, t'as l'échelle 1-1 de Barcelone, tout ça... Après, il s'appelle Taxi Life, après, tu peux avoir un DLC qui te met dans une autre ville, hein. Ouais. Mais j'avais envie... Oh là là, mais 20, d'où on roule à 20 ici, monsieur? Oui, quand il y a feu rouge, oui, on s'arrête. Hein. On est au-dessus des 20. Non, on a fait la mission, on a peu moins de... Ah ouais. Je pensais pas que ça allait être... Parce que là, on est même... On est à peine à la moitié de l'épisode. Hein. Peut-être qu'on fera un petit truc... Ah, une mission courte, je sais pas. Oui, on s'était fatigué, il ira dormir. Hein. On a peut-être réparé le camion, je pense, aussi. Bah, après, il est neuf, hein. Mais il a pris des dégâts, non? Ouais, il a 1% de dégâts, mais... On n'est pas encore arrivé, hein, donc... Allez tout droit. Ah non, non, allez tout droit, tant pour moi. Je vais ralentir. Hein. Donc j'étais en ralenti, tenez donc c'est la bon. Droite, puis tournez à droite. Elle est où la droite? Elle est où la droite? Tournez à droite. Ok. C'est au camp... Non, c'est pas le camp de ça, c'est, c'est Nashville, Tennessee, j'allais dire. Alors, vu qu'on écoute de la country, c'est Nashville. Mais Nashville et le Tennessee, il est dans, le... dans les DLC, en fait. On est d'accord. On est d'accord que... C'est vrai que je vois pas avec ça. On avait Nashville. Pas du tout. Là, j'ai vu le Tennessee était un peu plus loin. J'avais l'impression qu'il y avait un DLC Tennessee. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a que comme ça qu'on voit les trucs. Washington, Montana, Wyoming, Colorado, Arizona, Nouveau-Mexique. Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Nebraska, il doit avoir le Tennessee, ben, peut-être un jour. Voilà. On va aller livrer ces clés, les raisons, et on verra si... Putain, mais je roule dans Je suis en train de rouler dans une... Dans une zone résidentielle. No joke. Les camions, ils roulent pas dans ces zones-là, normalement. Alors là, je fais rien. J'ai plus de pied sur l'accélérateur ou quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment plus de pied sur l'accélérateur depuis tout à l'heure. Là, je suis obligé de le remettre, mais parce que... C'est le truc qui fait ça.
Alors, le problème, c'est que si je fais ça, j'ai pas vu s'il y avait des véhicules qui venaient derrière, mais logiquement, non. Voilà, j'arrive au bon moment, quoi. Voilà. Je pensais que j'aurais eu un peu plus de durée. Je pense que pour faire un double épisode, il faut au moins 40 minutes IRL de trajet minimum. Ah, on peut enrouler à 30, ça fait plaisir. Faut que le perso aille se coucher. Je sais pas si je vais gagner un level, donc ce serait cool de gagner un level. Tournez à gauche. C'était à gauche là. Pour vous c'est à droite hein. Quand je fais ça, mais pour moi c'est ma gauche donc par là pour vous. Pardon. On va essayer de rentrer correctement. On va peut-être. Monsieur, bonjour. On va peut-être essayer de faire la livraison vraiment là où il veut. On va galérer, je pense. Mais là on est au volant donc ça passe. 90 XP, il veut au bout. Le problème, c'est au bout comment? Parce que... Il y a moyen de faire le tour. Faut que je regarde s'il y a moyen de faire le tour. Parce que s'il y a moyen de faire le tour, autant faire le tour et essayer de caler la truc correctement. Je pense que là on peut tourner. Ouais. Voilà. S'il y avait moyen de faire ce tour là. La livraison elle doit être sur. Juste là. Vous voyez ? Non ? Attendez. Oui, c'est ça, elle est là. Donc, moi je fais ça. Comme ça, je me mets bien droit. Et après, on va essayer de faire le truc correctement. Voilà. Le véhicule a l'air bien droit. Enfin, presque. Hein. Mais bon, on va faire un truc comme ça, on va régler un peu la droiture. Là, il faut vraiment essayer d'avoir un petit truc pour aller, parce que j'ai pas de visuel, en vrai, donc... Sur le chemin. Et comme vous savez, moi j'aime pas utiliser les autres caméras du jeu. On va braquer un peu. On est ralenti donc ça devrait y aller. Attends. Ouais, faut que je me décale directement sur la... D'accord, je vois. Faut que je me décale par là, je t'ai dit ça. J'arrive vraiment à insérer le truc comme ça et à un moment donné que j'arrive à tourner correctement. Là je braque totalement pour avoir un bon angle. Chut, tais-toi. On n'a rien vu. Je pense que je vais pas y arriver hein. En vrai. En vrai, je vois pas comment je peux y arriver. Je le vois là, mais le truc c'est que j'arrive à tourner à un moment donné. Pour pouvoir avoir la roman qui soit bien positionnée.
Ah oui, d'accord, non, je vois à peu près. Non, mais sérieux? Mais non, mais sérieux, arrête de... Putain. J'étais limite droit. Je peux pas aller plus loin, c'est ça? Putain. Je fais entrer parce que ça sert à rien de se prendre la tête sur le truc parce que... Ah, vous avez le petit notif de truc là. Ah non, pas de nouveau niveau. En fait, pourquoi j'ai give up, c'est parce qu'à un moment donné, va insérer le truc. Je fais tout rétroviser en plus, donc... le bordel. Il reste 26 minutes, le problème c'est que je n'ai pas assez de temps. Ça faudrait que je le finisse aussi. Les 10 trucs pour avoir le truc. Mais c'est les trucs où je dois désactiver Trucky pour pouvoir faire correctement parce que Trucky m'a. Quand j'étais avec Trucky, m'a refusé pas mal de trucs. Mais bon. En tout cas, ça a été sympa quand même de faire cette aventure dans l'Arkansas puis dans l'Oklahoma. On a plutôt bien visité les deux. Hein. Même si vous voyez que ici, si tu regardes l'Arkansas, on est quand même à 42% et l'Oklahoma à 26%. Généralement, on essaie d'avoir une quarantaine de pourcents sur les zones qu'on visite, comme le Montana, vous voyez. Le Texas, c'était bien trop grand à l'époque, donc compliqué. Mais je pense que si on doit partir à un moment donné, pour un nouveau DLC, est-ce qu'on ferait pas une introduction partant du dernier point où on est arrivé, ici, pour y aller? Que de toute façon, ce sera forcément à côté. Ce sera soit par là, je sais plus où ils ont placé, peut-être par là. Parce qu'on est quand même à la moitié du truc. Hein. Et à un moment donné, il va y avoir des petites zones et déjà, on voit que les délimitations là, c'est quelque chose. Il y a des zones qu'on n'a pas visitées tant que ça ici. Là, alors là, on n'a rien visité. Il y a Vancouver ici, mais c'est pas le Vancouver qu'on connaît parce que le Vancouver du Canada, il est plus vers là. Il est plus dans ce coin-là, si je dis pas de bêtises. T'as le lac là, qui est avec le Michigan et tout ça. Et t'as le Vancouver qui est à peu près dans ces zones-là. Faudrait que je mette une carte propre, vous voyez, pour voir bien correctement les zones. On va se mettre en plein écran parce que de toute façon il me reste une minute de vidéo au moins. On débordera pas pour une fois. Plus après j'ai des montages à faire. Donc voilà, ça va être timing serré, tranquille. On a 52 000, c'est pas mal. En tout cas j'ai bien aimé aller faire un tour là-dedans. J'aime bien, de toute façon, j'aime toujours revenir sur des Euro Truck ou des American Truck comme ça. Est-ce que j'aurai l'occasion de revenir sur celui-là? Oui. Quand? S'il y a un DLC en fin d'année, je vous ai dit non. Ce sera niet. Trop court, délai trop court. Par contre, s'il y a un DLC, le DLC qui sortira après, oui, on le fera. On ira dessus. Je pense que ce sera l'objectif, ce sera de faire le deuxième DLC qui sera là. Peut-être, comme ça, on rattrapera le DLC qui sortira peut-être en fin d'année.
en deuxième partie de saison, comme on a fait là. À voir. Faudrait que j'arrive un jour à rattraper tous les DLC, tout ça, pour que vraiment un jour on arrive vraiment à avoir fait toutes les trucs. Mais on verra comment ça se passera pour les prochaines saisons. Peut-être qu'il y aura des saisons un peu plus longues pour justement aller faire des petites zones qu'on n'a pas fait, comme le Texas, des trucs comme ça, essayer de combler le Texas, et peut-être de combler la Californie, des trucs comme ça. On verra bien. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette saison et cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir. On se retrouvera pour une saison 4. En espérant qu'on a la saison 4 du Rotterdam de Road Truck Simulator avant. Avec le DLC Grèce. Ils ont un DLC encore en attente. Mais avec tous les conflits qu'il y a avec la Russie et tout ça, ils l'ont repoussé. Un jour il sortira sûrement, parce qu'il est quasi prêt, je pense. Quand ce sera calmé, on va dire. Mais ouais, si Euro Truck revient avec le DLC Grèce, on sera dessus. On fera nos épisodes pour la saison 4. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série, d'avoir été fidèle. Nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis nous, on va se donner rendez-vous pour de prochaines aventures. Sur d'autres jeux, ou peut-être sur Road Truck pour la saison 4. Allez, ciao tout le monde!